nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, grande joie d'être là avec toi ce dimanche, premier dimanche de, du Carême et, et aujourd'hui nous sommes le 18 février. On commence ce nouveau de grande grâce et on se prépare vraiment avec tout notre cœur pour vivre les mystères central de notre foi. Alors la première lecture d'aujourd'hui, c'est le livre de la Genèse chapitre 9 à partir du verset 8. Dieu parla ainsi à Noé et à ses fils. Voici que j'établis mon alliance avec vous et avec vos descendants après vous, et avec tous les êtres animés qui sont avec vous, oiseaux, bestiaux, toutes bêtes sauvages, avec vous. Bref, tout ce qui est sorti de l'arche, tous les animaux de la terre, j'établis mon alliance avec vous, tout ce qui est ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Et Dieu dit, Voici les signes de l'alliance que j'institue entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à venir. Je mets mon arc dans la nuée, et il deviendra un signe d'alliance entre moi et la terre. Lorsque... lorsque J'assemblerai les nuées sur la terre et que, que l'arc apparaîtra dans la nuée. Je me souviendrai de l'alliance qu'il y a entre moi et vous et tous les êtres vivants. En somme, toute chair et les eaux ne deviendront plus plus un déluge pour détruire toute chair. Alors ici, c'est le passage juste après la, les déluges où Dieu promet qu'il ne va plus détruire le monde et en même temps, il laisse les signes de l'arc en ciel comme signe de l'alliance entre Dieu et nous. Bien sûr qu'ici, on voit les déluges que nous montrent aussi la grâce du baptême et le temps de carême, c'est un temps aussi de préparation pour les frères et sœurs qui vont se faire baptiser la veille pascale. Ça veut dire que pendant le carême, nous devons vivre ce temps de purification, de laisser la grâce de Dieu venir nous laver de tout notre péché. Car euh, souvent, on, on laisse les péchés entrer. Nous sommes. Euh, parfois, on permet aux au péchés d'entrer on permet aux péchés aussi de, de s'y installer dans nos vies. Et alors, Dieu, parfois, il doit nous secouer il doit euh, agir aussi avec force pour nous aider vraiment à faire un chemin de conversion. Et car Dieu nous a créés pour lui, Dieu nous a créés pour, pour notre salut, pour être sauvés par Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'unique et vrai sauveur. Alors, vivre ce temps de carême, c'est un temps pour faire l'expérience que Dieu est vraiment notre sauveur, l'unique et vrai sauveur. Mais que Dieu renouvelle aussi son alliance. Dieu euh, ne veut pas nous détruire. Dieu ne veut pas nous détruire, il veut que nous soyons sauvés. Mais il marque l'alliance de l'arc-en-ciel et qui deviendra dans le Nouveau Testament le grand signe du sang du Christ qui nous purifie et nous sauve de, tout, de tous nos péchés. Jésus euh, qui va donner euh, son sang comme signe de la nouvelle éternelle alliance qui sera versée pour nous et pour la multitude en rémission de nos péchés. Voilà. La grâce, déjà ici, dans le livre de la Genèse, qui déjà nous, nous fait regarder euh, Jésus-Christ et la nouvelle alliance du sacrifice du Christ. D'accord Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume euh, 25. Le psaume 25, à partir du verset 4. Fais-moi connaître, Seigneur, tes voies enseigne-moi tes sentiers. Dirige-moi dans ta vérité, enseigne-moi. C'est toi le Dieu de mon salut. En toi, le, tous les jours, le jour, j'espère. Souviens-toi de ta tendresse, Seigneur, de ton amour, car ils sont de toujours. Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse et de mes révoltes, mais de moi, selon ton amour, souviens-toi souviens à cause de ta bonté, Seigneur. Dro droiture et bonté que le Seigneur, lui, qui remet dans la voie les pécheurs, qui dirige les humbles dans la justice, qui enseigne aux malheureux sa voie. On pourrait s'arrêter là sur le verset 6. Souviens-toi de ta tendresse, Seigneur, de ton amour caressant de toujours. Oui, c'est vrai que l'expérience de l'amour de Dieu, personnellement pour chacun de nous, elle est essentielle, parce que c'est qui donne sens à notre vie à notre chemin spirituel, même à, 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 à notre euh, marche vers Pâques, c'est l'amour du Seigneur. Mais, aussi le verset, le verset 8 dit, euh, « Lui qui remet dans la, la voie les pécheurs, qui dirige les humbles dans la justice. » Le Seigneur veut façonner en nous un cœur humble, qui se laisse conduire, qui se laisse vraiment conduire par le Seigneur. Et, mais, qui veut aussi nous mettre dans, notre, dans le bon chemin, dans la bonne voie, les pécheurs. Le Seigneur veut nous ajuster à lui, à sa volonté, et aussi au chemin de sainteté qu'il euh, qu veut pour chacun de nous. D'accord Maintenant, le, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Pierre, première Pierre, euh, chapitre 3 à partir du verset euh, 1 Pierre 3 à partir du verset 18 nous dit ceci, le Christ lui-même est mort une fois pour les pécheurs, juste pour les injustes, afin de nous mener à Dieu, mais à mort selon la chair, il a été vivifié selon l'Esprit. C'est en lui qu'il s'en alla même prêcher aux esprits en prison, à ceux qui jadis avaient refusé de croire, lorsque se prolongeait la patience de Dieu au jour où nous construisait l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout huit en tout, personnes, furent sauvées à travers l'eau. Ce qui y correspond, c'est le baptême que vous sauve à présent et qui n'est pas l'enlèvement le, le, en, d'une souillure charnelle, mais l'engagement à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ, en lui, lui qui passait au ciel et à la droite de Dieu, après s'être après soumis les anges, les dominations et les puissances. Alors et ici, c'est un peu ce que je, je parlais à tout à l'heure par rapport à la première lecture. Ici, Paul va parler de la grâce du baptême, le baptême qui va, va unir à nouveau l'humanité à Dieu. Les péchés nous a séparés, nous a éloignés de Dieu. Le baptême nous approche à nouveau de Dieu, nous fait vivre en communion avec Dieu, d'être un avec Dieu la grâce de l'alliance de notre baptême, où on s'engage vraiment à suivre Jésus-Christ, d'être ses disciples et de vivre comme lui il a vécu, mais aussi d'être nourri par son corps et son sang. Le corps et le sang de la nouvelle éternelle alliance, qui vraiment a le pouvoir de nous sauver et de nous, nous conduire à la vie éternelle. Et Jésus-Christ lui-même est mort une fois pour les péchés, juste pour les injustes, afin de nous mener à Dieu. Voilà le mystère de Pâques. Lui, juste, meurt pour les injustes. Lui, saint, meurt pour les pécheurs que nous sommes, pour nous donner la vie divine, pour nous sanctifier et nous donner comme cadeau la vie éternelle, d'être avec Dieu pour toute l'éternité. Et notre bonheur, c'est de vivre unis à Dieu, en communion avec Dieu, de faire un avec Dieu. Voilà la grâce, voilà, avant le péché original, que Dieu veut refaire et nous donner par le baptême et aussi par les sacrifices de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par sa passion, mort et résurrection. Et maintenant, euh, l'évangile d'aujourd'hui. C'est Marc chapitre 1 à partir du verset 12. Et aussitôt l'Esprit le pousse au désert. Il était dans le désert durant quarante jours, tenté par Satan. Et Il était avec les bêtes sauvages, et les anges et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus vint, vint en Galilée, proclamant l'évangile de Dieu, et dit, et dit et disant, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à l'Évangile. Alors ici nous voyons euh, Jésus qui va être tenté au désert. Dans le, dans, dans le désert, Jésus va être tenté de toutes les façons dont le diable pourrait le faire. On pourrait dire les les tentations de de l'avoir. Le démon va dire Je te donnerai tous ces royaumes, l'avoir. Euh, la tentation de vraiment de, de l'être, voilà, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici-bas, du temple. C'est la tentation aussi de spirituelle. Ça veut dire que le démon va tenter Jésus de toute façon au niveau du pouvoir, de l'être. Et, et, et aussi comme dit Saint Jean, les convoitises des yeux de, de pouvoir et de la chair voilà, toutes les convoitises que le démon vient attaquer Jésus pour essayer de les faire euh, chuter de les faire euh, plier devant les tentations mais Jésus est vainqueur et Jésus veut aussi nous communiquer sa force divine Son, Jésus qui est vainqueur veut que nous soyons vainqueurs dans les tentations, car même si les tentations parfois sont très dures, et parfois très fortes, nous ne pouvons pas oublier que la grâce de Dieu est la plus forte. La grâce de Dieu sera toujours plus forte que les démons, parce qu'on ne pourra pas nous pourrons pas mettre à les mêmes étages Jésus-Christ et les démons. Jésus, le pouvoir divin, Dieu, elle est infiniment plus supérieur aux démons. Mais c'est vrai que les démons, il a un pouvoir et nous devons faire vraiment attention à toutes sortes de tentations. Changer les, les pierres en pain, ça concerne notre corps, nos plaisirs. Voilà, notre être, les tentations de l'avoir les royaumes, voilà, c'est le pouvoir. Il y a aussi les tentations spirituelles. Si tu es fils de Dieu, jette-toi des ces bas et les anges te porteront sur leurs mains. Sur, sur leur main. Ça veut dire mettre Dieu à l'épreuve. Soyons très humbles, confiants en Dieu. Nous avons vraiment besoin de vivre des grâces, d'un grand détachement de nous-mêmes, première chose. Deuxième chose, une grande confiance, une confiance absolue en Dieu et vraiment de nous laisser sauver par Dieu. Jésus-Christ, il est Dieu. Il, il va écraser la tête du serpent il va dire, euh, dire au démon euh, Par d'ici, Satan. Jésus a un pouvoir, une autorité. Et nous, nous devons nous soumettre à l'autorité de Jésus-Christ. On pourrait même dire, nous devons nous mettre sous la protection du sang précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. D'accord Mais lui, il est vainqueur. Il veut aussi nous donner d'être vainqueur en tout péché, en toute tentation. D'accord Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Augustin nous dit ceci. Dans son voyage ici-bas, notre vie ne peut pas échapper à l'épreuve de la tentation car notre progrès se réalise par notre épreuve personne ne se connaît soi-même sans avoir été éprouvé ne peut être couronné sans avoir vaincu ne peut vaincre sans avoir combattu et ne peut pas combattre s'il n'a pas rencontré l'ennemi et les tentations il est donc angoissé c'est lui qui crie des extrémités de la terre mais il n'est pas abandonné car le Christ a voulu nous préfigurer, nous qui sommes son corps, dans lequel il est mort, est ressuscité et monté au ciel. C'est ainsi que la tête a pénétré la première, là où les membres sont certains de pouvoir la suivre. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. De tout puissant vous bénissez et vous gardez le Père, le Fils et le Saint Esprit. Amen.